Galvanisée par le projet américain de guerre propre, Roberta a appris à ses dépens qu'il fallait d'abord ranger sa chambre avant de partir au front. Au même moment, frustrés par leur non-représentation au sein de l'ONU, les Ramon Pérez et un voisin déguisé en Saddam Hussein simulent une négociation au sommet dans leur maison de campagne. De son côté, à la clinique des Miss Roussos, le professeur Jiménez fait connerie sur connerie lors d'une greffe de moquette pectorale sur un boys guatapaltèque. Waouh, mais ça pue le shit ici! Ah, tu m'étonnes, Antonio! On s'en est roulé 25 et on en a mis dans le gâteau! On est complètement d'équerre! Ça, c'est Manuela qui vous a ramené de la guatapaltèque! Soit on peut rien te cacher! Et elle est excellente! Moi, je dis que quelque part, on est un peu tous des rastaman! Laissons-nous pousser des dreadlocks et puis c'est tout! Ah oui! Oula, t'as peut-être un peu forcé sur la quantité, Manuela! Attention, je vous rappelle que cet après-midi, vous avez votre tournoi de bridge! C'est pas le moment de vous exposer la tronche! Attends, détends-toi, Antonio! Mais ouais! Mais oui! Manuela nous a dit qu'on allait halluciner grave! Oui, enfin, ceci dit, je suis un peu inquiète, moi, ces temps-ci. Vous allez rire, mais j'ai l'impression d'avoir un bigorneau sur la tête, c'est bête, hein? Ouais, bon, en tout cas, ça va pas nous empêcher de gagner cet après-midi, on va tous les niquer! Allez, vive le bridge! Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Fédération Guatapaltèque de Bridge, ceci est un contrôle antidopage. Ah, bonjour. Oula, je suis complètement stone, moi. Je tiens plus debout. Je sais même plus où j'habite. Ah, je crois que c'est ici, madame. Vous êtes chez vous, dans votre maison. Oui, bon, bah d'accord, ok, ça va. On a bien le droit de se fumer un petit pétard conique en famille de temps en temps. Soyez cool, merde! Mais non, je ne suis pas cool! Écoutez, ça fait des mois que nous vous traquons dans les tournois des maisons de retraite de la région. Alors maintenant, il va falloir choisir, c'est le bridge ou la beuh. Ah, c'est la beuh! Enfin, je crois que tout le monde sera d'accord. La Fédération Guatapaltèque de Bridge suspendra-t-elle les Ramon Pérez pendant 6 mois? Et la France légalisera-t-elle la ganja au moins dans les maisons de retraite? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Amour.